Bonjour à tous et à toutes, je suis toujours votre hôte, Nasty, ou Boule de Flipper, ou ce que vous voulez, et nous sommes en présence de mon Let's Play, cinquième épisode. Dans le quatrième épisode, rappelez-vous, nous avait appris tout simplement que le village des humains avait été détruit intégralement, et donc nous allons aller sur place pour vérifier la véracité de ces propos. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a toujours Yuka, nous avons trois personnes. Je regarde s'il y a quelque chose que je dois équiper, puis on y va. Non, rien, donc c'est parfait. On va pouvoir avancer. C'est là où était le village des humains, donc on ne le verra jamais. Ouais, ça ne semble pas bon. Ah oui, quand ils ont dit annihiler le village des humains, c'était au sens propre. Oh. Et donc nous avons quelqu'un, Rinosuke, qui dort, qui fait la sieste, qui est apparemment en vie. What the bullets happened here? Parce qu'apparemment Rinosuke venait donner ravitailler le village. Et des aliens. Ah, ce sont des aliens, apparemment. Et pas des yokai. Kain et Moku se sont battus, mais pas de problème, apparemment elles ont pas de problème. Et les humains du village ont tous disparu. Bon, au moins ils sont pas morts. Enfin, en même temps, on n'est pas dans Koshi Earthcrubbing Adventure. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne cherchez pas. Non, au pire, je mettrai une annotation, mais c'est vraiment gore. Donc, une telle chose n'est jamais arrivée. Donc, Raimu va sauver tout le monde. Pop Rocks, Mind Bullets, Nail Gun, Wooden Shield, Mr. Hat, c'est leur suite. Donc, on doit aller chez Udongain, donc à Einetai. Et donc, maintenant que la scène dramatique s'est passée, on peut avoir une musique toute joyeuse, c'est pas grave. Donc, je vais donner le Nail Gun à... Ayuka, les Pop Rocks à Raimu et les Mind Bullets pour... Est-ce que ça vaut le coup de donner les Mind Bullets à Marisa pour... Ça fait que 4 en plus de IQ, elle va pas perdre énormément. Et donc on va continuer. Alors, on m'a fait la remarque, à l'heure où j'enregistre cet épisode, il n'y a que les deux premiers épisodes qui sont sortis. On m'a fait la remarque que pour le résumé du second épisode, j'avais utilisé la même musique qu'un autre Let's Player appelé Suga Conroy, je crois. Je vais être franc, c'est un total hasard. Ce n'était pas prévu du tout. Comme vous pourrez vous en apercevoir, enfin vous vous en serez aperçu au troisième épisode. Je vais utiliser une musique différente à chaque résumé. Et donc, voilà, c'est tout. C'est vrai qu'on ne peut pas aller par là, je vais aller en haut. Donc, j'aimerais prendre quelques niveaux sur la route, au passage. Enfin, pas tout de suite, rien de presse. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? C'est la seule chose. Le nombre d'épisodes, je pense, vu comment le jeu est long... Alors le jeu se divise en trois phases, avec entre chaque phase un interlude, on va dire ça comme ça. Alors oui, on m'a dit aussi que je bafouillais beaucoup, je m'en excuse, c'est pas évident. Je vais essayer de m'améliorer. Oh tiens, je croyais avoir... Bon, bah, on a eu un truc en plus. J'avais vraiment pas... Je croyais que l'avoir déjà pris. Bon. Et donc on affronte
Donc je vais attaquer puisqu'il y a un truc juste à côté pour récupérer les points de magie. Ça va, il n'y a plus dangereux. Ah, parfait, piqué shield. Hop. Et comme ça, je récupère immédiatement ma magie. Parfait. On va pouvoir continuer. Donc, que dire d'autre? Oui, pour le fait que j'ai réutilisé quelque chose d'autre dans notre Let's Player, il faut bien avoir conscience que les bonnes idées commencent à se faire épuiser. Commencent à s'épuiser, donc forcément, au bout d'un moment... Ah non, voilà. Attends, j'aurais pu utiliser un gap pour revenir là. Les bonnes idées commencent à s'épuiser, donc... par exemple, par rapport à ma présentation, je sais pas si vous remarquez, mais ce que je dis, vous avez certainement pu... l'entendre chez Dutch Let's Player, parfois anglais, parfois pas anglais. Honnêtement, bon, on va continuer après. Honnêtement, je peux pas l'éviter, je veux dire. Tout finit par utiliser, puis forcément on se fait influencer, on a entendu ça. On se souvient pas de qui l'a dit, mais on se souvient que c'était une bonne chose à faire, donc. Ah, et nous voilà dans la forêt de bombes. Cap of Life. Ce n'était pas un bug. Donc les Life Noodles sont des objets qui ramènent à la vie. Sauf que ça ne sert à rien puisque quand vous mourrez, vous revenez toujours avec un point de vie. D'abord. Et ensuite, quand que vous ne pouvez pas utiliser d'objets en combat. Donc en fait, ce truc est, je ne vais pas dire inutile, mais presque. Donc c'est aussi pourquoi je craignais un peu... Barrière jaquette, tiens. Est-ce que je peux l'équiper? Ah oui, c'est vrai que j'avais eu un wooden shield. C'est la suite. Bon, c'est comme ça. Ouais, parfait. Donc c'est un peu... J'aime pas vraiment cette zone parce que vous voyez les ennemis là, ils sont très rapides. En fait, ils sont techniquement plus rapides que vous. Donc vous n'avez pas les moyens de les éviter. Vous pouvez faire le combat, mais vous n'avez pas les moyens de les éviter. Donc si vous n'avez pas de chance, le combat sera obligatoire. Une autre raison pour laquelle j'aime pas cette zone, c'est que c'est un peu un labyrinthe. Et que en plus, il faut faire toutes les impasses pour être sûr de rien manquer. Donc pour l'instant ça va, j'évite quelques combats. Mais... Oh. Au pire, j'irai revoir. Vous voyez ces arbres? C'est Dead Flag. N'allez surtout pas les voir. Mais vu que je suis cinglé, je vais aller voir ce qu'il y avait derrière. Et s'il n'y avait rien, je vais être dégoûté. Ces trucs-là, c'est non seulement très dangereux, mais très méchant. Voilà. J'ai bien fait de venir. Ah, je joue comics, c'est l'arme et l'arrivée de l'arme qui m'a un peu surpris. Sont une référence à Jojo's Bizarre Adventure. Voyons voir ce que j'ai. Ah, c'est un objet. Voilà. Donc là encore, c'est un truc pour booster. Ils me font un peu peur ces arbres. Franchement, ceux qui... Je ne montrerai pas ces ennemis, il ne faut pas les affronter. Surtout pas. Et... Hop. Sword of Life. Qui est une référence à je ne sais pas quoi. De toute façon, à chaque fois que vous entendez une musique un peu différente de la musique habituelle, c'est que ça vient d'un autre jeu. Je ne sais pas lequel. Ça m'a l'air d'être une très bonne arme. Pour Raimu, parfait. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Et non, c'est une impasse. Alors, je déteste cette zone, honnêtement. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir autant de chance jusque-là. C'est peut-être parce que je joue en facile.
Je pensais que le facile ne changeait que le jeu en combat, mais peut-être qu'il change aussi le comportement des ennemis. Allez, viens, viens. Viens que je puisse t'éviter. Yes. Ah, et donc, voyons voir ce qu'il y a là-bas, par là. Ah, je ne veux pas te voir. Tant pis. Oh. Allez, je suis sûr qu'il n'y a rien, mais je vais voir quand même. La curiosité me perdra. Bon, tant pis. Il y a un truc là-bas, mais je sais pas ce que c'est. J'ai pas envie d'affronter les serpents. Impasse. Yeah. Bon. Ça aurait été difficilement évitable. Je vais bourriner, ça ira. Enfin, j'espère. Allez, on continue. Alors, ces phrases sont une référence à je ne sais pas quoi, si quelqu'un pourrait me le dire dans les commentaires. Donc c'est un poème qu'ils font apprendre à Porky. Donc, comme Porky vient de l'extérieur, ils pensent qu'il sait peut-être quelque chose, donc ils essayent de l'aider à se souvenir. Et vu que Sanae vient aussi du monde extérieur, elle essaye de rappeler des trucs connus du monde extérieur. En même temps, moi, je ne connais pas ça. Pour aider Porky à retrouver la mémoire. Nanana, 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 nanana. I just inherit my motion. Sanae qui chante. Sanae Popstar. La musique que vous entendez là, je pense que c'est un mix de The Primal Scene of Japan, The Girl Watch. Bon, je corrigerai, en plus, je suis sûr que je prononce mal. Ça doit être un remix de ça, je pense. Donc, Mountain of Fate, c'est le stage theme de Sanae. Mais je n'en suis pas sûr. Parce que si c'est un remix, il a quand même été bien remixé. Ah oui, parce que, comme vous voyez, c'est un chapeau de Suwako, mais c'est Suwako. Suwako qui dit que Sanae regarde beaucoup trop d'animes. Ou regardez, depuis 2007. 2007 est l'année où Sanae a rejoint Gensokyo. L'année de sortie de Mountain of Fate. Of Faith. Of Fate. Ah, et apparemment Yuka aurait fait aussi un sort, un tour dans le monde extérieur. Je me demande si c'est pas lié à l'histoire de Seiyu. Je mettrai un lien aussi dans la description. Sachez que Yuka, en plus d'être un personnage de tout, est présente dans Seiyu, qui est une série parallèle à tout, qui est aussi fait par Sun. Donc Marisa, elle, par contre, n'a pas le temps d'essayer de passer à travers la barrière écureuil. Big City Cola. Oui, donc Big City Cola est bien le nom du cola de Mother. Les hamburgers, les frites françaises. Ça n'est nostalgique. Et elle a fini fusion avec 1%. Alors...
elle est fan de Metroid et battre Fusion avec 1%, c'est quand même assez balèze parce que ça veut dire ne prendre aucun bonus quasiment. Ne prendre que ce qui est... Donc vous faites tout le jeu à 100 points de vie avec je sais même pas combien de missiles vous avez au début, 3 ou 5. Je ne sais même pas si c'est possible. Et donc on va continuer. Alors, chose marrante, la salle dans laquelle s'est passée cette scène n'existe plus. On ne pourra plus jamais y retourner. Bon. Peu importe, hein, j'ai envie de dire. Ah, encore ces saletés. Encore que les espèces de carrés et les cubes brillants. Ah, ça par contre, c'est très très méchant. Ne les rencontrez surtout pas. Si un ennemi à ne pas rencontrer, c'est ceux-là. C'est ces arbres-là. Ah bah y'en a un, vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, explosion. Allez, vite, vite, vite. Franchement, déjà un, c'est pénible, mais si vous en avez plus d'un, vous êtes... Enfin, quand vous avez trois, c'est pas grave, parce que les trois explosent. Et puis, bon, vous finissez le combat juste derrière. Au revoir. C'est pour ça que j'aime pas cette zone. Oh non. Allez, plus vite. Piqué, vous voyez, c'est pour ça que je craignais un peu cette zone et j'essaie d'arriver chez Udon le plus vite possible. Plus les serpents sont inévitables. Vous voyez, ils lisent votre... Vous n'avez aucun moyen de les éviter. En plus, ils se concentrent sur Marisa. On remarque que je préfère que tous les dégâts soient sur Marisa. Arrêtez de faire des coups critiques, ça me fait perdre du temps. Oh non, il n'est pas encore mort. Je hais vraiment cette zone. Healing Beta. Je ne sais plus quelle est la différence entre Healing Gamma et Healing Beta. Ah, Healing Alpha et Healing Beta. J'irai voir. Ah, tiens, il y avait un point de sauvegarde là. J'irai pas voir maintenant. Allons-y. oui. C'est flippant. À mon avis, c'est une référence à autre chose, mais je n'ai jamais su quoi. Mais en tout cas, je ne veux pas avoir affaire à ça. Et voilà, une des zones les plus difficiles de jeu, enfin franchie. C'est pas la plus difficile, ni même la seconde plus difficile, malheureusement. Ah. Et Duncan nous dit de partir. Apparemment, Irine est occupée à faire des expériences scientifiques folles. What's up? Et une musique sort du bazooka cassé. Et une nouvelle mélodie. Et apparemment, il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Mais Raizen a l'air assez étrange. Et donc on va aller à la montagne, à la Yukari Mountain. On va. Oh génial Yukari. Je veux entrer. Non bon.
Tant mieux, en fait je ne veux pas vraiment entrer, je ne veux pas avoir affaire à cette maison de malade avant quelque temps. Je veux juste me sauvegarder, récupérer et... Je pense que j'ai bien avancé mais pas encore assez, donc je vais continuer encore quelques épisodes. Je vais sauvegarder sur la première file. Donc j'espère pas avoir de mauvaises surprises. Je suis content d'avoir réussi à passer à une été sans trop de dégâts. C'est déjà ça. Non, c'est pas là. Je sais plus où il faut aller par contre. Il y a des Yukai Mountain, mais je ne sais plus où il faut y aller pour aller à la Yukai Mountain. Pas là non plus. Il y en a un chez Yuko, voilà, c'est pas là non plus. Celui-là est cassé, c'est vrai. Et la vieille sorcière n'est toujours pas là. Je sais plus du tout où il faut aller. Oh, c'est pas grave, je vais chercher avec vous et puis... On verra si je trouve quelque chose. Fais marcher ta mémoire. Peut-être au village des humains. Non, il n'y a l'air d'avoir rien. Est-ce que j'aurais mal lu? J'espère que je n'ai pas mal lu et qu'on ne nous disait pas où il fallait aller. On va traverser le champ de fleurs, on ira au SDM au pire. Petit coup de lag, rien de grave. Je suis quasiment sûr qu'il n'y a rien ici des météorites pour l'instant. Toujours les fantômes. Même si je voulais faire ce combat, ils valent même pas le coup. Le peu d'expérience qu'ils rapportent. Elle dort toujours. Toujours pas d'entrée. Voilà, j'ai quelques lags que je devrais arrêter bientôt. Quoi, Kuma fait je ne sais quoi. Rien, 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 rien. Bizarre, j'étais sûr qu'il y avait une porte de côté droit. Oui, en effet. Sauvegardons. Parlons un peu, c'est peut-être quelque chose. Non, toujours rien. Bon. Où est-ce qu'il faut aller? Bon, écoutez, je vais pas chercher plus longtemps et avec vous. Je coupe la vidéo et puis on se retrouve dès que j'ai trouvé où il fallait aller. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, j'ai retrouvé où il fallait aller. En fait, tout simple, il fallait là. Vous voyez ça? C'est pas... Ouais, ok. Et c'est un appareil de Nitori. Nitori qui est une kappa et une génie. Mais aussi un peu une savant fou, elle aussi. Hop. Et là... Apparemment, Nitori bégaye même dans ses messages. C'est pas grave. Elle écrit en bégayant. R-9N. R-9, c'est évidemment pour une référence à R-Type. Et le N est pour Nitoris. Et comme c'est Mother, ça va... Alors, pour ceux qui n'ont pas les références, jouez à Mother, vous comprendrez, tout simplement. Mais l'appareil va sûrement s'écraser. Elle dit que un réfrigérateur volant serait sans doute plus sûr pour voler, mais c'est pas grave. Sinon, Marisa pourrait utiliser son balai, c'est vrai. Ça serait plus simple que de prendre ce truc. Et on dirait une mauvaise lettre d'amour. Donc, pour... Et quelle est cette relation avec Nitori?
Alors oui, c'est une blague attachée à Marisa. Toutes les partenaires de Marisa dans un jeu tout deviennent amoureuses de Marisa. Alice dans Imperishable Night, puis Patchouli et Nitori dans Subterran Animism. C'est pas grave. Donc la note continue. Eh ben, Nitori a trouvé un champignon rare. Et voilà, on est parti. Décollage! Et oui, bien sûr, c'est Ether-type. Et donc, on va avoir une power capsule. Non, laser cristal raté. C'est l'autre. La voilà, la power capsule. Et... Ah! Oups. Ouais, tu viens juste de nous tuer. Game over! Merci, Q. Et apparemment, il y a un dragon qui... Il y a le dragon... Le dragon est... Enfin bon... C'est compliqué à expliquer, vous irez vous référer à toute l'histoire de tout. Sachez juste que IQ est la messagère du palais des dragons. Et qu'elle a le pouvoir de voler dans les nuages grâce à ses vêtements. Et son vrai pouvoir, c'est de lui pouvoir lire l'atmosphère. Sauf qu'elle elle est très mauvaise pour en tirer avantage. Et nous voilà sur la Yukai Mountain. On s'est écrasé, mais tout s'est bien passé sinon. Et donc je pense que c'est le moment parfait pour nous quitter. Et je vous dis bye à la prochaine vidéo. À la prochaine.